Salut à tous, c'est Chérika, j'espère que tu vas bien, en tout cas moi ça va super bien. J'ai la putain de patate, un truc de fou. On se retrouve aujourd'hui pour Black Ops 3. Alors oui, j'ai eu pas mal de bons retours sur Black Ops 3. J'ai décidé de te refaire un petit montage comme la dernière fois. Vous avez été beaucoup à avoir aimé cette vidéo, beaucoup à avoir regardé cette vidéo. Donc du coup, je recommence. Je vais essayer de te sortir un de ces putains de contenus comme j'essaye de te le sortir à chaque fois. En tout cas, je tiens à te remercier parce qu'à chaque fois que je te sors des nouvelles choses, vous êtes tous là, vous êtes tous présents pour me suivre. Et franchement, ça fait super plaisir. Alors, le match a déjà commencé, c'est un petit peu dommage. Mais bon, on va essayer de se rattraper, on va essayer de faire quelque chose de bien. On va essayer d'être déjà dans un ratio plutôt pas trop mal, tu vois, pas faire 0 kill, etc. Je connais pas trop Black Ops, donc tu vois, les maps, je les connais pas trop. Là, tu vois, je pensais qu'il y avait un petit passage, mais il n'a pas de passage. Donc, on va aller à l'intérieur, on va aller voir où il se trouve, où le plus gros de la partie va se dérouler. J'ai décidé de te faire comme comme d'autres personnes, te sortir plusieurs games en même temps, pas te montrer qu'une seule de mes meilleures parties. Je vais vraiment te faire plusieurs games, même si je fais une game de merde, même si j'ai perdu la game, je m'en fous, tu vois. Je vais te mettre des games où j'ai essayé de faire de mon mieux. Au moins, tu vois, mon amélioration, je te montre pas que mes meilleures parties. Enfin, voilà, c'est vraiment ce que je vais essayer de te faire. Après, voilà, j'ai pas un niveau de fou, surtout dans Call of Duty Black Ops. Même dans le Infinite Warfare, j'ai pas un niveau de fou, mais Black Ops, j'y joue jamais. Je dois être niveau 20, 21, grand maximum. Oh, il m'a l'air d'avoir du monde là-dedans. Ouais, un kill, enfin, ça fait plaisir! C'est pas derrière, c'est pas derrière! Ah, un petit kill là. Merde, j'arrive pas à viser. Il va vraiment falloir que je change ma sensibilité parce que là. Oh, mais c'est pas magnifique tout ça! Cette game est plutôt serrée, même s'il y en a toujours un qui me fait un petit peu plus mal que d'autres. Enfin. Ah, je vais l'avoir. Putain, je pensais vraiment que j'allais l'avoir. C'est un truc de fou. Allez, on se ressaisit, on va essayer d'avancer dans ce score, on va surtout essayer de gagner ce match. Après, moi, je vais essayer de pas trop crever pour pas handicaper mes coéquipiers, mais c'est vraiment assez compliqué. Putain, mais c'est pas possible, c'est toujours le même. Tu vas payer, salope. Ah non, c'est moi qui invite, hein. Allez, on se ressaisit, on va essayer de marquer le maximum de points possible. On va essayer que l'avance de notre équipe reste devant. Il faut pas que notre équipe le perde. Il faut vraiment rester devant, essayer de marquer un maximum de points. Oh. Oh, chichi. Mais non, mais dis-moi pas que c'est pas vrai, chichi, on tue deux d'un coup, mais c'est quoi ça? Mais putain, mais je suis motivé moi aujourd'hui. Le mec, laisse tomber. Il tire à chaque fois à côté, là il en touche deux, il sent plus pisser. 85 partout, c'est super serré, c'est un truc de fou. D'habitude, tu vois, il y a une équipe qui se départage d'une autre. Là, on est toujours bien compact, tu vois. Ça va jusqu'au bout. On va essayer d'aller. On va essayer quand même de gagner cette partie. Là, franchement, d'habitude, tu sais déjà à 80 qui est-ce qui va avoir gagné. Là, on est à 89 partout, 90 pour eux. Franchement, ça s'est tendu jusqu'au bout. C'est vraiment compliqué. Franchement, cette partie, c'est un truc de fou. J'ai jamais vu ça. Franchement, quand je te dis j'ai jamais vu ça, j'ai vraiment jamais vu ça. 92 partout, franchement, là, je sais vraiment pas qui est-ce qui va gagner. Et je suis pas non plus un des meilleurs joueurs de la partie. Loin de là. Je fais vraiment que de la merde et je me suis fait buter plein de fois bêtement. 97 à 95, 98 pour nous, 97 pour eux, 99 pour nous. Et peut-être la victoire, peut-être. Je ne sais pas. Franchement, c'est 99 partout. Ah, la victoire. 99 partout et la victoire. Et je crois qu'il y a un petit bug là. Je crois qu'il y a vraiment un petit bug. 100 à 99 pour nous. Franchement, c'était vraiment super serré. Bon, tu vois que j'ai un ratio de merde. On va aller, on s'en refait une deuxième. J'espère que le ratio va être vraiment positif pour moi.
Deuxième partie, je me retrouve sur une map que je connais pas. Après, je suis plutôt retombé dans la bonne équipe. Enfin, je pense, après, je sais pas ce que ça va donner. On y va à fond, on est là pour faire un ratio de positif. On n'est pas là pour jouer à la dinette, on est vraiment là pour gagner cette partie. Allez, c'est parti, j'espère que je vais pas crever bêtement. Putain, c'est moi le premier qui crève dans mon équipe. Mais dis-moi pas que c'est pas vrai! C'est dingue la différence de niveau que j'ai entre Infinite Warfare et Black Ops. Black Ops 3, pardon. Pourtant, c'est les mêmes jeux quasiment, tu vois. Et d'un jeu à un autre, t'as une difficulté. Tu perds carrément ta. Je sais pas moi, tu perds carrément ton niveau. Putain, normalement, je devrais avoir un bon ratio. Je devrais tourner à un ratio entre 15 et 20. Enfin, je devrais tourner entre 15 et 20 kills et avoir quasiment toujours des ratios positifs. Voilà, ça m'a l'air d'aller, tu vois. En face, ils sont pas GG. Enfin, voilà, tu vois, ils se débrouillent quand même. Ils ont quand même fait 11 kills. Après, c'est le temps de se faire à la map. Moi, je connais pas du tout cette map. J'espère quand même avoir ce petit ratio de 1 minimum. Parce que voilà, il faut quand même que je m'améliore à fond. Et merde, je suis déjà mort. Il va vraiment falloir que j'améliore mon shoot parce que là c'est pas possible, putain, le gars est en train de camper. Franchement, il y en a, il campe super mal, un petit peu comme mon coéquipier là dans le coin. Enfin, je sais pas ce qu'il cherche. Oh, il a été puni, tu vois, sa mère elle l'a mis au coin. Sa mère elle le met au coin, il se met au coin dans le jeu, il va se mettre au coin tout seul. En fait, on est sur une sorte de bateau et je fais que ça, tu vois, des allers-retours entre le devant, l'arrière du bateau. Et c'est un truc de fou, je trouve quasiment personne. Je fais quand même du kill, un petit peu mieux que la partie d'avant. Et merde, je viens de me faire buter bêtement. Enfin, tu vois, je fais quand même pas mal de kills. Mais c'est toujours pas ça, c'est. Voilà, il manque vraiment la partie de folie, la partie que je vais kiffer à mort en fait. Voilà, ça va, tu vois, je fais du kill, je suis dernier de mon équipe, mais je suis pas dans un ratio négatif. Ça c'est plutôt pas trop trop mal, tu vois, je suis quand même content de ce que je suis en train de te faire. Pour un débutant sur ce jeu, je suis quand même content de ce que je suis en train de faire. Après, voilà, il y en a qui ont un niveau de ouf à côté de moi. De toute façon, il va se reconnaître s'il regarde cette vidéo. Mais voilà, tu vois, j'essaie de me débrouiller, j'essaie d'avancer le plus loin possible et j'essaie de faire des parties de malade. Ah, mais dis-moi pas que c'est pas vrai. Mais non, mais c'est pas possible. Putain, je t'en fais trois d'un coup. Ah, mais c'est un truc de ouf. Ah, mais putain, ça fait plaisir quand ça te fait ça. T'as sorti la Kalichnikov, même. T'as sorti ta Diana. Voilà. Tu m'as tué. Tu m'as tué. Et ça. La game juste avant, on savait pas qui est-ce qui allait gagner. Par contre, celle-là, tu vois, on prend les devants. On a quasiment 30 points d'avance. Là, si on chute, je comprends vraiment pas pourquoi. Tu vois, on est vraiment parti pour gagner cette game. Alors, il y en a toujours un qui me tire dessus. J'essaye de contrer. Lui, le planqué de tout à l'heure. Franchement, je sais même pas pourquoi. Je sais même pas pourquoi ce qu'il fout dans la game. Franchement, ils doivent même pas s'amuser. Les mecs qui se plantent comme ça, c'est un truc de fou. Enfin, moi, j'aime pas ça, tu vois. Même si j'ai pas un niveau de malade, je préfère carrément aller courir. Même si je perds, même si j'ai un ratio négatif, je préfère carrément partir dans la. Partir et aller faire du kill. Là, le mec il se met toujours dans le coin, il fait que de crever et ça, c'est. Franchement, ils doivent même pas s'amuser, le mec là. Allez, on passe de l'autre côté. Tu vois que Chichi il râle, Chichi il crève comme une grosse merde. En tout cas, moi je vous dis, rien de tel de jouer à Call of Duty avec une petite musique d'amour derrière. Le truc qui a rien à voir. Non, en fait là je suis vraiment parti dans les musiques vraiment très love, etc. en ce moment. Et je suis en train de jouer à Call of Duty, je suis en train de faire deux choses différentes. Mais je suis en train de kiffer, écouter des chansons de romantiques. Et jouer à un jeu de guerre. Franchement, le truc qui a rien à voir du tout. Mais bon. Bon, petit ratio vraiment positif. Il est pas GG, tu vois. Il est pas extra, il est pas exceptionnel.
Mais le ratio il est présent. Et ça te fait plaisir. Quand tu vois que tu fais une vidéo et que t'as ton ratio qui est vraiment positif, je peux te dire que t'as un petit côté satisfaction. Et puis là, je continue à te faire du kill. Mais putain, mais que c'est. Elle est bonne cette game. Franchement, je prends plaisir à y jouer. Je pense que je vais vraiment continuer le BO3. Me mettre vraiment dans le BO3 en plus de Infinite, en plus de Rocket League. Franchement, là, je prends vraiment du plaisir. Depuis que la rentrée scolaire a repris, je prends vraiment du plaisir à jouer à BO3. Même si je connais pas encore toutes les maps, je t'inquiète pas, je vais vraiment me mettre dedans et je vais vraiment faire des trucs. Je vais vraiment essayer de te faire du lourd. Alors, 13 à 9, la partie n'est pas encore finie, je vais essayer de te faire encore un kill. Ça me ferait plaisir, tu vois. Et si j'arrive à faire la kill cam, ça serait encore super bien. Mais bon, je vais pas trop en demander, déjà, juste là, ça me fait plaisir, tu vois. Voilà, c'est déjà terminé. Oh putain, ça fait plaisir d'avoir un ratio positif comme ça. Alors c'est la fin de cette vidéo. Merci à toi de m'avoir regardé jusqu'au bout. Ça m'a fait extrêmement plaisir de te la tourner. Petit ratio 1,44, c'est pas fou, mais c'est un ratio positif quand même. Donc, merci à toi de m'avoir regardé jusqu'au bout. Je te dis à bientôt. C'était Chéricard.